Bonjour et bienvenue les amis. Merci de m'accueillir chez vous. Je n'ai pas de chapeau à voilette. Sinon, je l'aurais mis. J'ai Oscar qui m'a bouffé le nez. Vraiment. Donc, voilà. J'ai vraiment un pif. Bon, je ne voulais pas faire de vidéo. Alors, j'ai pas camouflé ma cicatrice parce que sinon, j'ai peur de faire de mettre des trucs dedans et que ça reste. J'ai un accroc dans le nez, donc c'est magnifique, c'est génial, mais je ne sais rien y faire, je ne saurais pas le faire partir plus vite, donc voilà, donc je mettrai de l'anticerne, hein, mais si je mets de l'anticerne et que ça cicatrise avec l'anticerne dedans, j'aurais l'air encore plus bête, voilà, mais si j'avais un chapeau à voilette, je l'aurais mis, bon, mais j'en ai pas, allez, on y va les amis, j'ai regardé la date et j'ai oublié la date, donc pour cette fin de semaine, 17, 18, 19, 17, 18, 19, mai, 17, 18, 19, mai 2024, donc 17 mai, c'est l'anniversaire de notre ami Alcide Nathanaël, alors on peut aller lui dire bon anniversaire. Bon anniversaire, mon petit Alcide. Voilà. Les énergies qui viennent de tomber. Bon, c'est la fin. Alors là, on est sur la fin de quelque chose de pénible. Hein. On va poser quelque chose, on va poser une lourde charge. Donc, on arrive vraiment à la fin de quelque chose de pénible, de dur, de quelque chose que l'on supporte, que l'on porte sur le dos depuis longtemps. Parce que on va certainement peut-être demander conseil ou on va recevoir un conseil d'une manière ou d'une autre, et je pense que le moyen, la façon dont nous allons recevoir le conseil, ou peut-être qu'on va entreprendre quelque chose, mais c'est pour moi le côté judiciaire. Il y a un côté judiciaire ou administratif, mais un côté légal. Et donc on va pouvoir poser ce que l'on porte sur les épaules depuis un long moment. On va être bien, bien, bien. Ou alors, on vous conseille aussi, pour poser, pour pouvoir enfin ne plus porter ça sur vos épaules, allez voir une personne, l'ermite, qui a des compétences pour vous éclairer, évidemment, et qui va certainement vous permettre de trancher, de prendre des décisions. Et ça me parle aussi d'un homme de loi. Elle tombe, les cartes, elles veulent parler aujourd'hui. Hein. Bon, il y en a trop, non, je me l'ai. Voilà, voilà. On va voir. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle semaine et que elle se terminera en beauté. Allez. Oh, là, les amis, ça bouge, ça déménage. Hein. On est vraiment dans de la communication, dans des échanges. On reçoit des nouvelles. On va donner des nouvelles. En tout cas, il y a ça bouge. Mais alors là, on a gain de cause. On sort héros. On sort vainqueur de la situation. Donc, les nouvelles arrivent. La communication, on va savoir quelque chose. Mais c'est positif. Absolument positif. On est en train de gagner quelque chose. Et on va vers une belle évolution. Allez, on va faire notre petit tas de 3. Et qu'est-ce qui se passe là, les amis? Qu'est-ce qu'il se passe? On dirait qu'on me tire les cartes du jeu. On a une famille heureuse. On a un super bonheur ici. On a la famille, on a de l'argent, on a des rentrées financières, on a un équilibre matériel et pour moi, sentimentale aussi. Regardez, et on a le monde. Donc, on est ici dans une satisfaction familiale, dans de bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver. Ça peut être aussi un amour qui arrive, la construction, la reconstruction d'une famille, un équilibre que l'on peut trouver ou retrouver dans le foyer. On peut se réconcilier, enfin, voilà, les choses sont super positives. Il y a des choix. Alors, il y aura certainement des choix à faire. Alors, je ne sais pas s'il était avant ou après. Il y a des choix à faire. Il y a, je pense que des personnes négatives s'en vont.
d'une manière ou d'une autre, et on va pouvoir faire des choix, on doit faire des choix, on doit faire des choix, on doit... Et là, j'ai un personnage, l'empereur, qui est vraiment un personnage intransigeant. C'est un personnage qui décide, qui ne revient pas sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il pense. Et c'est bien, parce qu'on dirait que on doit choisir, on doit faire un choix, mais on ne sait pas vraiment, on est dans l'indécision, on est tout à fait dans l'indécision. Alors dans l'indécision de penser, ou dans l'indécision de dire quelque chose, ou de choisir quelque chose, donc on doit faire des choix, on doit le dire, et on est un petit peu dans l'indécision. On ne sait pas si on va faire ça, ou si on va dire ça ou ça, mais il y a des choix qui vont se faire, de toute façon. Pour moi, c'est deux, ça peut correspondre, mais pour moi, ce sont deux messages qui sont différents. Et le choix ici, pour moi, qui va être fait, ou que vous allez faire, ou la décision de cet homme ou de cette femme, qui est vraiment une personne avec une grosse personne, peut-être vous aussi, mais c'est quelqu'un qui a de la personnalité, qui ne change jamais d'avis, qui reste vraiment en soi, et je pense que ça va... Il y a un choix qui va se faire. Peut-être que cette personne, finalement, qui sait toujours ce qu'elle doit faire, ben, va être un peu dans la décision. Et ça pourrait concerner... pourtant, moi, l'empereur, il va pas être dans la décision longtemps. L'empereur, il sait ce qu'il fait. Et ça concernerait certainement une personne, une mauvaise personne, une personne qui vous a déçu, une personne qui vous a trompé... ou tout simplement des regrets que vous avez. Donc il y a une décision qui va être prise pour aller, et on va pouvoir se poser, se reposer. Donc il y a on va être vraiment dans, ouais, on est vraiment dans la loi, dans la et la famille, enfin vraiment on est ici dans des décisions qui se prennent, dans un pouvoir aussi que l'on a, une des personnes qui peuvent nous aider, qui peuvent nous éclairer, qui peuvent nous diriger. Peut-être que justement l'empereur, il va nous aider à prendre une décision, et ça concernerait une personne qui nous a volé d'une manière ou d'une autre, qui nous a trompé d'une manière ou d'une autre. Ça va vous permettre de poser un petit peu, de vous reposer un petit peu, vous allez trouver la force. On est encore dans le côté légal et dans les décisions. Et je m'arrête ici, de toute façon. On est encore une fois dans une famille heureuse, dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur. Donc, ça déménage. Positif. Super positif. Et là, on abandonne le passé pour aller vers d'autres horizons, les amis. Donc il y a des choses qui changent et qui font que on va vraiment vers autre chose. Bon, je ne fais plus tomber de cartes, sinon je ne finirai jamais ce tirage. Bon. Allez. Alors, nous avons un nouveau. Waouh. Alors là, effectivement. Oh. On a quelque chose de très très rapide. Donc de rapide, c'est par rapport aux sentiments, aux émotions, à l'amour. J'ai une nouvelle rencontre. J'ai une rencontre, un amour. Alors, c'est un amour. Un amour homme-femme, ou femme-homme, mais on va dire homme-femme. Mais ça peut être aussi un amour avec des enfants, un amour. Il y a plein de sortes d'amour. Mais en tout cas, c'est super, super positif. L'amour est partagé, réciproque. L'amour est réciproque. Il est possible aussi qu'on se retrouve. Donc, on peut aussi se retrouver avec une ancienne relation, une personne du passé qui pourrait revenir. Et il est possible, peut-être même vous êtes seul, tout simplement. Et là, il y a une rencontre qui pourrait se faire. Et on est vraiment ici dans cette rapidité, encore une fois. On est encore une fois dans la notion de rapidité, mais aussi vous allez peut-être être un peu sur la défensive parce que les choses vont aller un peu vite, et vous, c'est bizarre parce que peut-être que vous allez revoir quelqu'un avec qui la personne, vous avez des sentiments pour cette personne, mais cette personne peut-être vous a fait quelque chose avant, par exemple, et il y a moyen, de créer quelque chose, d'avancer, mais peut-être que vous êtes quand même sur la défensive. Ou c'est l'autre personne. Vous allez vous revoir, vous allez peut-être avoir des rendez-vous, peut-être faire une rencontre, de toute façon.
le passé pourrait revenir. Alors peut-être que le fait que... Non, pour moi non. Parce que le passé pourrait revenir et créer un petit peu des blocages. Pas de blocage, mais enfin vous, ouais, vous mettre, vous freiner un petit peu par rapport justement à ce qui s'est passé avec cette personne pour ne pas reformer un couple, vous avez peur. Mais bon, moi pour moi, ça m'a l'air positif de toute façon. Donc probablement une rencontre ou un amour qui se solidifie. Il est possible aussi qu'il y ait une personne qui vienne vers vous, quelqu'un certainement que vous avez connu, que vous connaissez. Et qu'il pourrait y avoir un petit craquage. Donc, si vous êtes déjà en couple et que votre couple va bien, etc., c'est pas prévu, ben, il est possible qu'il y ait des avances de la part d'une personne. Et puis, vous allez là, ça va peut-être un petit peu vous. Mais pourtant, ça m'a l'air réciproque. Les sentiments m'ont l'air réciproques. Donc, voilà, il y a peut-être des choix que vous allez faire, devoir faire, des. Alors, on travaille beaucoup. Alors là, on est sur la notion financière, plutôt financière. Non, j'ai encore une. Oui, on travaille beaucoup. On travaille. On est dans des énergies de mouvement. On avance, on évolue, on partage, on donne, on reçoit. Et on a encore le côté amour. Donc, on a encore un amour qui arrive, une déclaration d'amour, quelqu'un qui nous demande pardon, quelqu'un qui s'excuse. Et on retrouve un équilibre ici. On retrouve un équilibre. Et ce ne sera pas. Ici, on a quand même fait un travail. Bon, là, c'est un travail manuel en principe, c'est l'argent. Mais il est possible que ce soit plutôt, peut-être aussi un travail psychologique pour justement se sentir mieux. Maintenant, on se sent mieux et on est peut-être prêt à accueillir cet amour qui est en train d'arriver. Il y a une offre d'amour ici. Certainement une offre d'amour, mais c'est. C'est super positif de toute façon parce qu'il y a un équilibre qui se refait. On a vraiment l'équilibre avec le 6 de denier. On a l'équilibre ici avec le 2 de coupe. Bon, on est. Voilà. Ça peut être aussi tout simplement un équilibre financier, un équilibre matériel, bien évidemment. Hein. Et une offre, peut-être une offre de c'est quelque chose ou quelqu'un que peut-être qu'il y a des sentiments pour vous, mais sentiments d'amitié. Et qui va faire, vous faire une proposition et qui va faire que votre équilibre financier ou va se remettre juste, va être de nouveau ou enfin être stable. Ou être encore plus stable. Maintenant, il est possible aussi que vous donniez. Vous allez peut-être partager quelque chose. Ou on va partager quelque chose avec vous. C'est possible aussi. Mais là, vous voyez, vous devez absolument faire le deuil de quelque chose. Je ne parle pas encore de personne, on s'entend. Voilà, c'est très compliqué de faire le deuil de quelqu'un. Mais ici, vous devez absolument tourner une page parce que vous n'arrivez pas à avancer. Donc pour certains, certaines, vous êtes dans un blocage parce que votre cœur est tourné vers le passé. Vous devez absolument vous retourner dans l'autre sens, voir que là, il y a quelque chose derrière vous. Il y a un cadeau là qui vous attend. Il y a deux coupes. Prenez ces deux coupes. Celle-là, vous ne saurez plus. C'est fini. Il y a quelque chose qui se termine. Il faut vraiment le comprendre, se retourner, prendre ce qui nous reste là, ce qui nous est offert. Ça va être un peu dur, ça va être un peu pénible, mais vous allez pouvoir. Vraiment, vous allez pouvoir faire des choix. Vous allez enfin pouvoir faire des choix. Choix qui ne seront certainement pas faciles à faire, mais des choix quand même qui seront là. Alors, on a la carte faites un vœu. Donc là, la carte du vœu réalisé. Donc il y a un vœu qui se réalise. On est dans on a tout ce qu'il nous faut. On est bien dans notre cœur. On est bien sentimentalement. On est peut-être célibataire, mais on a le pape à côté, donc il est possible ici qu'il y ait une demande en mariage, qu'il y ait un mariage en intempérance ici. Donc il est possible qu'il y ait un mariage, une demande en mariage, des fiançailles, quelque chose qui va se concrétiser, qui va être signé. Donc on a vraiment ici le cœur qui. On est rempli de joie, on est rempli de bonheur, on a du succès.
amoureusement, sentimentalement, on est vraiment bien. Et les choses se concrétisent pour certains ou certaines, et on est toujours dans cette douceur, dans ce partage d'amour, dans ce partage d'émotions. C'est très très positif aussi. On est indépendant financièrement, donc là, enfin, vous êtes indépendant, vous arrivez à pouvoir vous contrôler, vous arrivez à pouvoir vous gérer tout seul, alors que peut-être que ce n'était pas le cas. Là, vous allez pouvoir vous gérer tout seul. On a encore le côté émotif ici avec encore la reine de coupe. Donc, on a ce côté émotif, donc on se gère, on peut gérer ses émotions aussi. Et il y a une deuxième chance ici pour quelqu'un. Il y a une deuxième chance qui se fait. Il y a une deuxième chance qui se profile à l'horizon. Donc il y a quelque chose qui... C'est quand même marrant. Il y a une deuxième chance ici. Et le côté sentimental et financier aussi joue. Le fait aussi que vous êtes maintenant libre de faire ce que vous voulez, financièrement probablement, mais en tout cas vous êtes libre de faire ce que vous voulez aussi sentimentalement, et vous allez pouvoir prendre des décisions, mais en tout cas il y a une deuxième chance qui s'offre à vous. Il y a quelqu'un aussi qui pourrait venir demander pardon, mais aussi on pourrait pardonner à quelqu'un. Moi je vois, il est possible qu'on se remette avec une personne du passé aussi. Il y a quelque chose qui bouge aussi à ce niveau-là. Ça peut être aussi bien financièrement que sentimentalement. Mais sur le côté, je ressens beaucoup, beaucoup d'émotions, donc de sentiments, etc. Mais bon. Là, on va vers un nouveau départ. Il y a un cadeau de la vie là. On va avoir quelque chose qui va nous permettre d'évoluer. On va pouvoir commencer, recommencer. Malgré vous êtes peut-être sur vos gardes. Vous êtes peut-être sur vos gardes. Et parce qu'il y a une décision qui doit être prise par vous ou par quelqu'un, et la décision qui va être prise, donc vous êtes soit vous protégez, vous protégez ce que vous avez, peu importe ce que c'est, ça peut être du matériel, ça peut être votre famille par exemple, votre métier, vous voulez vous méfier, vous êtes battu pour avoir ce que vous avez, vous ne voulez pas le perdre. Pourtant, j'ai pas dit que vous allez perdre du tout, mais pourtant il y a une décision qui va être prise ici, il y a une prise de décision qui peut-être sera une promotion, parce que on a ici quelque chose de nouveau et quelque chose de passionnant et de passionné qui va pouvoir se faire. Donc ici on va vers quelque chose de vers un renouveau, mais c'est dans le même domaine. Hein. Donc ce que vous ne voulez pas perdre, ce pourquoi vous avez lutté pour garder. Il y a peut-être vous êtes en train de vous dire, je sais pas, avec ce qui se passe, je risque de perdre ma maison. Ben justement, il y a une décision ici qui va être prise, et là vous avez vraiment vraiment quelque chose de nouveau qui va commencer pour vous, et ce sera quelque chose qui va vous passionner. Alors, on est peut-être dans les excès ici, on est peut-être dans la soumission. Oui, on lutte encore une fois. On est dans la compétition. On se bat contre une personne ou on se bat contre des énergies qui ne sont pas positives. On se bat peut-être même contre soi-même. Peut-être même on se bat parce que... Il faut pas qu'on craque, il faut qu'on tienne bon, il faut qu'on tienne bon. Et on va tenir bon, je pense. Oui, regardez. Et on est quand même dans ce côté sentimental, donc le cœur, c'est la joie, c'est le bonheur. On a l'as de coupe ici, l'as de coupe, c'est la naissance de quelque chose. C'est aussi le fait de tomber amoureux, c'est un nouvel amour, c'est un nouvel emploi, c'est quelque chose de tout nouveau. Mais, dos de deck, encore avec la coupe ici, le roi ou la reine de coupe, je les reconnais pas toujours, moi, les rois, les reines. Enfin, ça, c'est pareil. Et parfois, je me trompe, je sais pas pourquoi. Bon. Donc, nous ici, nous avons
des énergies d'autorité sentimentale. Donc vous êtes maître de vos... vous êtes maître, vous maîtrisez la situation amoureuse et la situation sentimentale. Il y a vraiment quelque chose ici pour moi, c'est une nouvelle rencontre, c'est une réconciliation. On se réconcilie avec son cœur soi-même, on s'aime soi-même, on a des nouvelles, on a des pardons, on a des vœux réalisés, on a des rencontres. On est vraiment dans une évolution magnifique qui est confirmée ici avec notre roi de coupe. Et regardez, on a encore une fois le bonheur, le succès. Franchement, elles sont belles, hein, elles sont belles, belles, belles. Les cartes sont vraiment super bien mises et le tirage est magnifique. Donc voilà, les choses sont en train, là, ces jours-ci, de changer du tout au tout. Nouvelle vie, nouveau fiancé, nouvel amour, nouvelle amitié, nouveau travail, enfin du nouveau en tout cas par rapport à tout ça. Du nouveau, l'amour se solidifie, on se rend compte que notre amour est solide. Si par exemple tout va déjà très bien, eh bien tant mieux, peut-être qu'il y a une petite rentrée d'argent qui va se faire, on va peut-être partager quelque chose, ça va être très 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 positif. Vraiment très très positif. Il y a juste un choix pour moi que vous allez avoir peut-être difficile de faire parce qu'on ne sait pas si on doit choisir blanc ou noir ou blanc, ou c'est blanc et blanc, ou c'est noir et noir, mais et on ne voit pas très bien ce qu'on doit choisir parce qu'on ne sait pas du tout le résultat. Et puis finalement, le choix va vous aider. Vous allez faire le bon choix parce que vous allez pouvoir poser ce qui vous pèse sur les épaules, donc grâce à ce choix-là. Et grâce aussi à des personnes, certainement à quelqu'un qui va vous aider et vous éclairer pour faire le bon choix. Voilà. Et bien voilà les amis, c'est magnifique. Belle fin de semaine. Alors je vais refaire le oui-non parce que je sais que ça manque. Pas à tout le monde, mais voilà, donc je vais le refaire. Celui qui n'aime pas, il passe, il arrête. Et puis celui qui aime bien, il regarde. Donc le oui-non, c'est toujours ludique, hein, c'est pas... Parfois c'est vrai, hein. Ça dépend. Mais en tout cas, si ce n'est pas ce que vous désirez, vous ne prenez pas, vous n'attirez pas les énergies de ce que vous ne désirez pas. Allez, on y va les amis, oui ou non. Posez votre question fermée. Donc, vais-je avoir ce travail? Vais-je avoir... On est encore une fois dans les choix, dans les décisions à prendre. Vais-je avoir ce travail? Vais-je acheter une nouvelle voiture? Vais-je partir en vacances? Vais-je avoir une fille? Vais-je avoir un garçon? Vais-je tomber enceinte? Vais-je acheter une maison? Etc. Etc. Donc, mais ne me demandez pas si est-ce que je vais choisir la voiture rouge ou la voiture verte, parce que ça vous dira oui ou non. Non, on n'est pas avancé. Allez, on y va. Bon. Si c'est oui, si c'est l'anneau qui sort, c'est oui. Si c'est la croix qui sort, c'est non. Oh, regardez quelle bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui est en train d'arriver ici. Une très bonne nouvelle qui est en train d'arriver. Ouais, une très très bonne nouvelle. Quelque chose qui va vous faire chaud au cœur. Et vraiment, une super bonne nouvelle. Ou alors une personne du passé qui pourrait revenir. Enfin, c'est quelqu'un qui pourrait revenir. Des nouvelles de quelque chose, des nouvelles de quelqu'un, ou en tout cas c'est quelque chose qui va vraiment vous faire vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. 13 cartes, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc on a ni oui ni non. Je vérifie, hein, parce que on a la croix et l'anneau. Où es-tu? L'épée juste après. Bon, alors qu'est-ce que ça nous dit ces 13 cartes? Il y a des choses qui bougent, des choses qui vont aller un peu vite maintenant. Il y a des choses, ça peut être, évidemment, ça peut parler d'un voyage, d'un déplacement. On pourrait aussi avoir des nouvelles d'une personne qui est à l'étranger ou d'une personne qui est d'une autre nationalité. De bonnes nouvelles. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, de bonnes nouvelles qui arrivent rapidement et qui vont nous permettre de réussir, qui nous donnent la clé de la réussite, qui nous donnent des solutions. Des solutions qui sont certainement, qui peuvent
certainement, alors qui vont nous aider à parler, donc à évoluer ou à faire évoluer une situation, mais aussi des bonnes nouvelles qui concernent le couple, qui concernent le nid familial ici. Donc il y a des décisions qui vont être prises, donc là, peut-être la bonne nouvelle justement, c'est la décision et la solution qu'on va vous dire avec la bouche peut-être, et qui va vous permettre, il y a quelque chose qui va être tranché, quelque chose qui va être dit, et c'est un homme de loi qui va le dire. Il est possible aussi, ça pourrait me parler d'un médecin, d'un chirurgien, donc il y a peut-être une opération ici en vue, on va voir, mais on a le monsieur, donc ça concerne vraiment vous, monsieur ou votre monsieur, ou vous madame, puisque c'est un tirage général. Alors, on a un grand bâtiment, attendez, je vais les mettre à côté, comme ça je vois mieux. Alors, j'ai... Alors, ça peut me parler d'un décès, ça peut me parler, ça pourrait concerner des bonnes nouvelles concernant peut-être un héritage, concernant une personne décédée. Et j'ai vraiment ici c'est comme si la mauvaise personne ici va... Il y a peut-être quelqu'un qui vous a... qui vous a blessé, qui vous a... Parce qu'on a la solution par rapport à une personne. La solution, la décision, ça peut être aussi par rapport, comme je l'ai dit, à un héritage. Ça peut être un avocat, ça peut être un juge de paix, ça peut être quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a du pouvoir, un pouvoir de décision. Ça, j'ai le chirurgien, moi, ici, carrément. J'ai la santé aussi avec l'arbre. J'ai le domaine de la santé, mais bon, j'avoue que j'ai un funérarium et que j'ai une maison close aussi. Donc, mais c'est pas la maison close ici, c'est... Il y a quelque chose avec un décès. Alors, la nouvelle est positive pour vous, donc ce n'est pas quelque chose qui va vous rendre triste. D'accord ? C'est une nouvelle qui est positive par une personne, soit une méchante personne qui est décédée, soit... J'ai ce côté santé aussi. Il y a quelque chose pour moi qui va se débloquer. Il y a des choix qui vont devoir et pouvoir être faits suite à une décision, suite à une nouvelle très heureuse que l'on va recevoir et qui va nous permettre de faire évoluer une situation. Situation probablement familiale, mais en tout cas c'est quelque chose aussi dont... On parle avec la bouche, on parle avec la parole, donc ça peut me parler ici d'un avocat, en tout cas une personne qui parle, un médecin qui va parler de chirurgie peut-être. En tout cas, c'est quelqu'un qui parle, qui a des pouvoirs, homme ou femme, qui a des pouvoirs de décision. On a ce côté que le grand bâtiment. Un bâtiment où on parle, ça peut être une école, ça peut être une bibliothèque, non, parce qu'on ne parle pas, mais enfin, voilà, vous voyez, ça c'est vraiment à vous qui devez adapter. Alors, on pourrait aussi dire que... On pourrait aussi dire qu'on tourne une page ici. On tourne une page grâce à la solution ici qui est là, qui arrive, à la décision qui arrive. On va tourner une page concernant... Alors, ça peut être une maladie aussi ici. Hein. Donc, une maladie qui se termine, une bonne nouvelle par rapport à une maladie. Une maladie qui se termine, une opération qui va vous permettre de bien évoluer parce que justement, peut-être que la solution va être trouvée. On va vous soigner, on va vous guérir. Vous allez de nouveau pouvoir... évoluer dans la vie, avancer, faire des choix.
Maintenant aussi, il y a peut-être quelque chose qui se termine pour une mauvaise personne. Pour une mauvaise personne qui fait partie de la famille ou qui fait partie du domaine médical avec l'arbre. Ou une personne qui a touché à votre famille. Et vous allez avoir des choix. Donc maintenant, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a des choix qui vont être faits. Voilà ce que je peux voir ici. Bon, croisons les doigts. C'est tout ce que je vous souhaite. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo avec mon nez cassé. Il n'est pas cassé, mais il est déchiqueté de ce sale chien. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai caressé comme ça. Et puis, il a mordu ma main, mais il n'a pas mordu parce que il a ça le caractère, hein, Oscar. Il a voulu mordre ma main et puis il n'a pas mordu, mais ça, j'ai l'habitude qu'il le fasse. Et puis, j'étais assise à côté de lui, puis il m'a sauté au visage. Heureusement que c'était moi. Si ça avait été un enfant, je ne sais pas. Et là, franchement, j'étais prête à prendre une décision radicale. Mais on va lui laisser une chance. Parce que je crois qu'il devient fou. Il devient méchant, il est bizarre pour le moment. Soit il a quelque chose, mais comme je n'ai pas ma vétérinaire, évidemment, ici, on va voir. On va voir son évolution. Mais il est très agressif pour le moment. Et pourtant, il n'a rien de spécial. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis, soyez positifs et à bientôt dans une autre vidéo.